We zijn weg voor de mannen zo dadelijk. We gaan kijken naar het parcours. Die gaan een stukje meer lopen over de 10.000 meter, 10.500. Met één aanloopstuk en dan vijf grote ronden. Hetzelfde parcours uiteraard dan bij de vrouwen, maar gewoon een stuk langer. Hier komen ze naar de startposities met Isaac Kimeni bij ons. La jeunesse au pouvoir dans le cross long, messieurs, avec Isaac Kimeli qui possède 38 points d'avance sur El Hachimi, donc qui est déjà assuré du titre de la cross cup. Mais ce qu'il veut aujourd'hui, c'est confirmer tout cela avec un titre de champion de Belgique. Kimeli qui est là, regardez, en deuxième position déjà, alors qu'il y a un sprinter, hein, ce n'est pas ça. Oui, là, un sprinter qui est parti comme une bombe là. C'est Edwin van der Worst qui veut profiter un petit peu des caméras, certainement, pour se trouver en tête du championnat de Belgique, histoire de quelques mètres. Espérons qu'on ne se trompe quand même pas, comme on avait fait François Claes au cross de la nuit. Moi, on avait cru aussi que c'était un sprinter, mais François Claes a bien montré par après qu'il jouait aussi avec les grands en cross-court. Mais là, il est en train de se retourner en disant... Oui, maintenant, là, c'est... Oui, là, on comprend bien que c'est... Quand est-ce que vous me dépassez, les gars? Parce que là, je suis cuit. Il y a 10 500 mètres à tenir. Allez, 10 000, c'est toi, c'est chaud. Il y en a 500 de fait déjà. Regardez, très beau peloton là aussi. Donc ici, la lutte pour la cross cup n'a plus lieu d'être. Le titre est acquis pour Isaac Kimeli, l'athlète de l'Olympique Essenbeek Hall. Peut-être d'origine kenyane. On parlera de son histoire tout à l'heure. Senior, on l'a dit, c'est un coureur de talent, cet ex-Kenyan devenu belge, donc parlant parfaitement le flamand, parfaite intégration, qui a débarqué chez nous alors qu'il n'y a, que pas de 6 ans, 5-6 ans. Qui a repris possession de la première place, mais qui n'est jamais très loin des 2-3 premières places. Hein. Il gère pour l'instant, tactiquement, je trouve aussi très très bien son coup. Voilà, et Ruel qui est un peu gêné par les doublés là.